Vous savez, nous connaissons en partie. You know, we know partially. Il y a la connaissance des choses du passé. There are the knowledge of things of the past. Il y a les choses de l'éternité à venir. And the knowledge of the things of the eternity to come. Un jour, one day, j'ai pris ma Bible. I took my Bible. J'ai dit, il faut que je médite sur Genèse 1, verset 1. I told myself that I have to meditate on Genesis 1, verse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created heaven and earth. J'ai dit, il faut que je connaisse les choses. I said that I must know things. De la création. Of the creation. Et Dieu m'a parlé. And God spoke to me. Il m'a demandé d'arrêter. He told me to stop. Il m'a dit qu'il a caché les choses du passé à l'homme. He said that he has hidden the things of the past to man. Et il n'a révélé que ce qui est utile à son salut. And he revealed to me that this was useless for the salvation. Il me dit qu'il a encouragé tous les hommes à rechercher la connaissance du monde à venir. He said that he has encouraged all men to seek the knowledge of the things to come. Et que si tu es préoccupé pour connaître les choses qui viennent, il peut te montrer, même s'il faut qu'il t'amène au paradis comme il a amené l'apôtre Paul, il va le faire. And he said that if you are concerned about the things to come, he can do it. And even if he has to take you up to paradise as Apostle Paul, he will do it. Il dit au sujet de la connaissance du passé, il a anéanti la sagesse des sages. He said that concerning the knowledge of the things of the past, he said that he has brought to naught the knowledge of the weak. Et il a détruit l'intelligence des intelligents. And he has destroyed the intelligence of the intelligent man. Il me dit, cherche la connaissance des choses à venir. He said that seek the knowledge of the things to come. Quand tu es un enfant de Dieu, when you are a child of God, est-ce que tu sais comment toutes ces choses vont finir? Do you know how all these things will end up? Combat le matin, combat à midi, combat le soir, combat la nuit. Est-ce que ça va continuer comme ça? Fighting in the morning, fighting in the at midnight and in the afternoon. Is it going to continue like this? Je vais vous montrer un peu ce qui arrive. I'm going to show you a little of what avant is to le combat de ce soir. Before we fight tonight. Et je sais que le Seigneur nous regarde, il est content. I know that the Lord is looking at us and he's happy. Tu notes ceci. Note this. Dieu a engagé le processus de rédemption de l'humanité. God has already started the process of redemption of mankind. Dieu God a un plan, has a plan qui prévoit la restauration de toute l'intelligence de la race divine. And all the intelligence of the divine race. L'homme fait partie de la race divine. Man is part of the divine race. Chaque enfant de Dieu each child of God doit savoir must know qu'il y a un jour that there is a day prévu pour la fin de tout système. Planned by God for the end of all systems. De tous les systèmes. Of all the systems. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et l'entrée, il y a un jour prévu pour l'entrée des fils de Dieu dans le règne de leur Père. There is a day that is planned for the children of God to enter the reign of the Father. Les enfants de Dieu vont entrer dans le règne de leur Père. Will get into the eternal reign. Tous les prophètes ont prophétisé ce jour. All the prophets have already prophesied that day. Quelqu'un lise pour nous Zacharie chapitre 14 verset 1 à 3. Let someone read for us Zacharie chapter 14, reading from verse 1 to 3. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem.
La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Amen. Verset 4 à 7. Reading from verse 4 to 7. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Je vous disais l'autre jour, I told you the other day, qu'il y a un jour, that there is a day, un jour, a day, qu'on appelle le jour de l'Éternel. That is called the day of the Lord. Quand le Fils de Dieu, on that day, the Son of quand God, le Seigneur Jésus-Christ, when the Lord Jesus, va décider, we decide, qu'il revient, that he comes, ce que les théologiens appellent la seconde venue de Christ. And others will know the second avec pour but de poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. With the purpose of laying his feet on the Mount of Olives. Ce jour arrive. That day is coming. Ce jour arrive. That day is coming. Ce jour arrive. That day is un jour d'obscurité. A day of darkness. Un jour d'angoisse. A day of anguish. Un jour de terreur. A day of terror. Il dit ses pieds se poseront. He said that his feet shall en ce jour sur la montagne des Oliviers, on that day on the Mount of Olives, qui est vis-à-vis de Jérusalem, opposite Jerusalem, du côté de l'Orient, at the side of the east, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, the Mount of Olives will be divided by the midst, à l'Orient et à l'Occident, between the east and the west, et il se formera une grande vallée, and there will be a great valley. Hallelujah. Praise the Lord. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, a part of the mountain will go back toward, et une moitié north, vers le midi, and the other one toward the south. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, and they shall flee in the valley of the mountain, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel, and the valley of the mountain will be extended up. Vous fuirez, you shall flee, comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps du roi Ozias. As you fled before the earthquake at the time of King Uzziah, roi de Juda, the king of Judah. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. And the Lord my God, et tous ses saints avec lui. And all his saints will be, tous ses saints avec lui. All his saints will be, en ce jour-là, on that day, il n'y aura point de lumière. There won't be any light. Il y aura du froid. There will be cold. Et de la glace. And and some ice. Ce sera un jour unique, and it will be one day, connu de l'Éternel, known by the Lord, et qui ne sera ni jour ni nuit. And there will be no day, mais vers le soir, and toward the night, la lumière paraîtra. The light shall appear. Le jour du Seigneur Jésus. The late day of the Lord Jesus. Voici la vision que Jean rapporte dans la vision here d'Apocalypse. Is the vision that God, the John report to us pour, from Zechariah. Pour dire le même message. To say the same message. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Revelation chapter 19, reading from verse 1 to 2. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc,
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. He had a name written that no one knew. Si ce n'est lui-même. Except himself. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. He was clothed with a robe dipped in blood. Son nom est la parole de Dieu. And his name is called the word of God. Les armées qui sont dans le ciel. And the armies that are in heaven, le suivaient sur des chevaux blancs. Clothed in fine linen. Revêtu de fin lin. White and clean, blanc pur. Followed him on white. De sa bouche sortait une épée aiguë. Now out of his mouth goes a sharp sword. Pour frapper les nations. That with it he should strike the nations. Il les pètera avec une verge de fer. And he himself will rule them with. Et il foulera la cuve de vin. Sur la coupe de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Himself drinks the wine press of the fierceness and wrath of Almighty God. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. He has on his robe and on his thigh a name written. Roi des rois. King of kings. Et seigneur des seigneurs. And Lord of lords. Et je vis un ange. Then I saw an angel. Qui se tenait dans le soleil. Standing in the sun. Et il cria d'une voix forte. And he cried with a loud voice. Disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Saying to all the birds that fly in the midst of the heaven. Venez, come, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, for the supper of the great God, afin de manger la chair des rois, that you may eat the flesh of la kings, chair des chefs militaires, the flesh of captains, la chair des puissants, the flesh of mighty men, la chair des chevaux, the flesh of horses, et de ceux qui les montent, and of those who sit on them, la chair de tous, and the flesh of libres people, et esclaves, free and slaves, petits et grand. Both small and great. Et j'ai vu la bête. And I saw the beast. Et les rois de la terre. The kings of the earth. Et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. And the armies gathered together to make war against him who was seated. Je vis la bête. And then as the beast. Et les rois de la terre. Was captured. Et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. And with him the first prophet who worked signs in his presence. Et la bête fut prise. And the beast was captured. Et avec elle le faux prophète. And the beast with the first prophet. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et adorer son image. Who worked signs in the presence by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. Et furent tous les dieux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. These two were cast alive into the lake of fire of burning with brimstone. Et les autres furent tués par l'épée. And the rest was killed with a sword, qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Which proceeded from the mouth of him who sat on the horse. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. And all the birds were filled with their flesh. L'apôtre Pierre, quant à lui, déclare. The apostle Peter asked for him declared. 2 Pierre chapitre 3 verset 10 à 12. 2 Peter chapter 3 reading from verse 10. Le jour du Seigneur. The day of the Lord. Viendra comme un voleur. Will come as a stealer. En ce jour, on that day, les cieux passeront avec fracas. Heaven will pass away. Les éléments embrasés se dissoudront. And light will melt. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. And the earth will all its work will be consumed. Puis donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Since all these things will be melt, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. We shall be holy and a godly man. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu,
à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. As they are waiting and hastening the coming of the day of the Lord, during which things that are light will be melt and everything will disappear. Jean l'avait déjà mentionné dans son évangile. John has already mentioned it in his gospel. Quand il dit dans Jean chapitre 6 verset 40. When he said in John chapter 6 verse 40. En rapportant la parole de Jésus-Christ. When he was reporting to us the will of God. La volonté de mon Père. The will of my Father. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Is that whoever see the Son and believe in him et, receive eternal life. Et je le ressusciterai le dernier jour. And I shall rise him up on the last day. Il dit aussi. He also said, nul ne peut venir à moi. No one shall come to me. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. No one can come to me if the, except the Father who sent me. Et je le ressusciterai. Je le ressusciterai le dernier jour. And I shall rise him up on the last day. Hallelujah. Praise the Lord. C'est aussi ce qui ressort clairement des épîtres de l'apôtre Paul. This is also revealed in the epistle of Apostle Paul. Comme nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42 à 44. We can see it in 1 Corinthians reading from chapter 40, 1 Corinthians 15 reading from 42 to 44. Il dit, je cite. He says, and I quote. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Thus is the resurrection of the dead. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. The body is sown corrupted, but it rises up uncorrupted. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. And he rises also glorious. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. He is sown crippled, but he rises up full of strength. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. He is sown as an animal body, but he also rises up a spiritual body. S'il y a un corps animal, if there is an animal body, il y a aussi un corps spirituel. Then there is also a spiritual body. Voici, poursuit-il. Behold, he continues. Je vous dis un mystère. I tell you a mystery. Nous ne mourrons pas tous. We'll not all die. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. But all of us will be changed in an instant, in a twinkling of an eye, at the sound of the trumpet. La trompette sonnera. The trumpet shall sound, et les morts ressusciteront incorruptibles. And the dead body will rise up incorruptible. Et nous, and nous serons changés. Will be changed. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Because this mortal body must clothe immortality, and this mortal body also shall clothe incorruptibility. La mort sera écrasée. Death will be crushed. Voici ce qui est écrit. This is what is written. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 54 à 56. 1 Corinthians 15 reading from 54 to 56. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, when this corruptible body will clothe incorruptibility, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, and this mortal body shall clothe immortality, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. And then the word that is written will be accomplished. Death has been swallowed in victory. Oh mort, où est ta victoire? Oh death, where is your victory? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh death, where is your sting? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Frères bien-aimés, nous recevrons des corps immortels. We shall receive immortal bodies. Nous serons incorruptibles. We'll be incorruptible. Nous aurons la connaissance parfaite des choses. We will have a perfect knowledge of things. Nous aurons la connaissance parfaite de notre Père. We shall have the perfect knowledge of our Father. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 13, 12. For it is written in 1 Corinthians 13. Aujourd'hui, today, nous voyons au moyen d'un miroir. We can see through a mirror. D'une manière obscure. In a dark way. Mais alors nous verrons face à face. But at that time we shall see him
face to face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. And today I know partially, but at that time I will know him as I knew him. Le Seigneur nous a promis la connaissance du monde à venir. The Lord has promised us the knowledge of the world to come. Et nous a caché la connaissance du monde passé. And he has hidden to us the knowledge of the things which has passed. Hallelujah. Praise the Lord. Mais nous avons certaines notions pour maintenant. So we have some notions for now. Comme le principe de la malédiction. As the principle of curse. Qu'est-ce que Dieu dit? What does God say? Quand il maudit, when he curses, quand il juge le péché, when he judges sin, il le juge sur 3 à 4 générations. He judges over 2 or 3 or 4 generations. Ça c'est automatique. This is automatic. Tous les péchés des parents sont jugés sur les enfants. All the sins of the parents are judged over the children. C'est une connaissance qui ne doit pas échapper à ceux qui intercèdent. It is a knowledge that should not escape those who are interceding. Dans Exode chapitre 34 verset 5 à 7. In Exodus chapter 34, reading from verse 5 to 7. Il est écrit ce que je vais lire. It is written. What I'm going to read is written. L'Éternel descendit dans une nuée. The Lord came down in a cloud. C'était là auprès de lui. He stood there next to him. Et proclama le nom de l'Éternel. And proclaimed the name of the Lord. Et l'Éternel passa devant lui. And the Lord passed before him. Et il s'écria. And he shouted. L'Éternel. The Lord. L'Éternel. The Lord. Dieu miséricordieux et compatissant. Compassionate and the merciful. Lent à la colère. Slow to anger, riche en bonté and, et en fidélité and full of love, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, he keeps his love over 1000 generations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, and, who forgives iniquities and sin, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. But it does not hold the one who is guilty as innocent. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. And who punishes the iniquities of the fathers on the children and the little children up to the 3rd and 4th generation. Quand Dieu maudit, when God curses, il maudit jusqu'à la 4e génération. He curses up to the 4th generation. Ce n'est même pas que quand il maudit, quand il punit le péché. It's not even when he curses, when he punishes sin. Si tes parents n'ont jamais péché, tu n'as pas de problème. If your parents have never sinned, mais si tu reconnais, but if you acknowledge, que c'était des ivrognes et des idolâtres, that they were drinkers and idolaters, des meurtriers, des hommes violents, murderers and violent men, tu portes le jugement. That bear the judgment. Et tes petits enfants vont porter ce jugement. You bear the judgment and your little children will also bear the judgment. C'est un principe de la malédiction qu'il ne faut pas ignorer. It is a principle of curse that you must not ignore. Que personne ne te séduise. Let no one deceive you. Que personne ne te séduise. Let no one deceive you. En disant que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout sont devenues nouvelles, donc tu n'as plus rien. Tu n'as pas de compte à rendre, tu es devenu une nouvelle créature. Let no one deceive you saying that if someone is in Christ, is a new creature, the past things are old things are passed away and he's a new creature. Premièrement, ce verset-là est mal interprété. This verse is not well interpreted. Quand la Bible parlait des choses du passé, when the Bible talk about the things of the past, c'est-à-dire des choses anciennes, that is old things, il s'agit des péchés que les hommes commettent. It concerns the sins that people commit. Et c'est pour cette raison que Paul a dit dans Éphésiens, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. That's why Apostle Paul said in Ephesians that it is because of these things that the anger of God came upon the children of rebellion. Donc tous les apôtres enseignaient que quand tu donnes la vie à Jésus, ces péchés que tu commettais dans le passé doivent s'arrêter. So all the apostles taught that when you give your life to Jesus, all the sins that you committed in the past must stop. Et quand on évolue plus bas, and when we came backward, il dit, he says, Christ a mis en nous la parole de la réconciliation. That he has
put in us the word of reconciliation. Et il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas le péché. Vous voyez, la notion du péché revient là parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le texte. So, this is the sin that is mentioned in that text. Et dans le principe de la bénédiction, in the principle of blessing, quand Dieu bénit un homme, when God blesses a man, quand Dieu aime quelqu'un qu'il aime, when God loves someone who loves him, il étend cet amour jusqu'à 1000 générations. He extends his love up to 1000 generations. Et il y a les preuves dans la Bible. And there are evidences in the Bible. Salomon, il est devenu presque un petit sorcier. He became just like a small witch. Mais Dieu l'a gardé sur le trône à cause de la bénédiction qu'il avait accordée à son père David. But God kept him on the throne because of the blessing that he granted to David, his father. La multitude de ses femmes l'avait amené à adorer tout ce qu'on appelait idole. The multitude of his wives brought him to worship all that we can call idols. Il est vrai que dans sa vieillesse, il est revenu. It's true that in his old age, he came back. Il a beaucoup regretté. But he regretted a lot. Il dit quelque part que j'ai haï la vie. He said somewhere that I hated life. Frère bien-aimé, beloved brother, tu iras au ciel. You will go to heaven. La fin de tout ça. La fin de tous ces combats. The end of all these warfare, c'est la vie éternelle avec ton Père. Is everlasting life with your Father. Quand Jésus va déchirer le ciel, when Jesus will tear heaven, pour dire ça suffit, to say it is enough, que c'est le jour du jugement, that it is a day of judgment, tu ne seras pas jugé, you will not be judged, mais tu seras récompensé, but you will be rewarded. Le Seigneur va essuyer tes larmes. The Lord is going to clean your tears. J'ai lu les passages de l'Ancien Testament, j'ai lu les passages du Nouveau Testament. Vous avez vu, Jésus dit, il arrive. I read the passages of the Old Covenant and those of the New Covenant. You see that Jesus said that he's coming and there is fire. Qui va accueillir les rebelles. That will welcome those who are rebels. Il faut annoncer ça aux nations. You must announce, proclaim this to the nations. N'oublions pas ça. Let us not forget this. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Ça ne sera pas spirituel. Ça ne sera pas un phénomène invisible. It will not be spiritual or an invisible phenomenon. C'est pour cette raison qu'il parle du mont des oliviers. That's why he talks about the mount. C'est une réalité. It's a reality. Jésus va descendre. Jesus will come down. Avec ses saints. With his saints. C'est-à-dire que le texte de Zacharie prend en compte qu'on a déjà vécu avec lui. The text from Zechariah takes into account the fact that we have already lived with him. Dans les noces. In the marriages. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un enlèvement. Maintenant, il revient avec ses saints. Alléluia. There have been a rapture and then he's coming now with his holy ones. Parce que la guerre d'Armageddon, c'est après les noces. Because the war of Armageddon is after the wedding. Et Jésus va décider avec les enfants, après la fête au ciel, que allons sur la terre, mettre fin à tout système. Jesus will decide that, okay, let us go on earth, and he's going to put an end to all the systems. Et il a désarmé, l'Éternel désarmé. And he has armies, the Lord of hosts. Si tu es ennemi de Jésus, if you are an enemy of Jesus, malheur à toi. Woe to you. Et si tu es un être humain, are you a human being? Prie. Pray que tu ne rêves pas de ce jour même en songe, que tu ne vois pas ça même en songe. You don't even dream about this day, even in a dream. Ne rêve jamais que les gens montent au ciel, tu as raté. Never dream that people were going. C'est une malédiction. People were mounting up to heaven and you failed. It's a curse. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Fais tout. Do all pour être là. To get there. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, notre combat,
Our warfare ne s'arrête pas là. Does not stop here. Ce n'est pas un combat pour manger le placali. It's not a warfare to eat placali. C'est pour posséder nos bénédictions. It is to possess our pendant blessings. Que nous avançons dans while la gloire. Going forward dans la gloire. Glory, in the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Il y a une vie que Dieu veut que nous vivions. There is a life God wants us to live. Comme membres de l'église. As members of the church. C'est une vie où dans un pays où il y a de l'eau, il y a de l'eau miel, il y a tout. L'église là, il y a tout dedans. So it is a life in which there is everything. In a church, there is everything. La vie de l'église, c'est comme la vie à Canaan. The life of the church is just like the life in Canaan. Ceux qui vivent dans nos péchés, those who live in sin, peuvent mourir de faim, même étant dans Canaan. Can die of anger even being in Canaan. Car les enfants d'Israël ont commencé à commettre le péché dans la terre promise. Dieu leur a envoyé la famine, la sécheresse. Les femmes mangeaient leurs enfants. When the children of God started living in sin, God brought drought, and the women were eating even the children. Premier adversaire de ce soir. The first adversary of tonight. C'est le monde. Is the world. N'aimez pas le monde. Do not love the world. On va régler ça. Tu n'as même pas besoin de te lever pour régler ça. C'est un petit dossier. Tu mets le monde sous ton pied, tu poses, tu dis c'est fini. It's a small fire. Je ne veux plus t'aimer. It's a small fire. You put the world under your feet, you tread on it and it's finished. Alléluia. Praise the Lord. Il dit n'aimez point le monde. He said, do not love the world. Quand tu aimes le monde, when you love the world, tu es déjà ennemi du Père. You are already an enemy of the Father. Tu dois le savoir. You must know that. Dieu n'a pas caché les choses à venir. God didn't hide the things to come. Il veut même que chacun les connaisse mieux pour bien se préparer. He wants everyone to know it well in order to get prepared well. Le monde c'est quoi? What is the world? C'est les hommes, la communauté des hommes sans Dieu. It is a community of men without God. Ce n'est pas la mer, le soleil et les étoiles. It's not the sea, the sun and stars. Dans ce contexte, in this context, le monde, the world, c'est l'ensemble des hommes rebelles sans Dieu. It's all the men put together without God. Ils ont leurs choses. They have their things. Les choses qui font leur joie. Things that make their joy. Les choses qui font leur bonheur. Things that makes their happiness. Ils ont leur sagesse. They have the wisdom. Ils ont leur analyse. They have their analysis. Ils ont leur proverbe. They have their proverbs. Ils ont leur maxime. They have their proverbs. Toi, tu as ta Bible. Tu as ta Bible. You have your Bible. Ils ont aussi leur Bible. They also have the Bible. Tu as le Seigneur. You have the Lord. Et ils ont les idoles. And they have their idols. If toi tu as la joie de Dieu. You have the joy of God. Ils ont la joie de la bière. And they have the joy of beer. Ils fument. Ils disent quand j'ai les soucis, je fume. They smoke and they say that when they have some concerns, they smoke. Toi quand tu as les soucis, tu élèves tes mains, tu invoques ton Père. But you when you have some worries, you call upon c'est your Father. Deux choses différentes. That these are two different things. Le monde. The world. Et ton père. And your father. Il dit n'aimez pas le monde. He said, do not love celui the world. Celui qui aime le monde. The one who loves the world. Devient ennemi du père. Becomes the enemy of the father. Premier ennemi. First enemy. Il faut sortir le monde. You must get out of the world. De ton cœur ce soir. From if we must take the word out avant of the heart. Avant de chasser les idoles de la famille. Before we cast out the idols of the chasse family. Le monde de ton cœur. Cast out the word from your heart. Le désir d'être comme les autres. The desire to be like the others. Comme les autres païens. As the other pagans. Le désir de te marier comme eux. The desire to get married like them. Et ils n'ont même pas d'autres là, il n'y a pas. Tu sors là, tu vois comment les gens regardent. Toutes les femmes qui passent, ils regardent seulement. When you get out, you can see how they do. Whenever all the ladies that go around, they look at them. Sans dot, rien, ils sont déjà mariés. Without dowry, nothing, and they're already married. J'enseignais sur la guérison intérieure. I was teaching on inner healing. Un frère a dit qu'il n'a jamais dit à quelqu'un je t'aime. A brother said that he never tell someone I love you. Les frères étaient étonnés. And the brothers, et il avait déjà dépassé la soixantaine. And he has already passed the 60 years. Et quelqu'un a dit non, ne t'étonne pas. Quelqu'un a dit, toi tu t'es marié comment?
And someone said, "How did you get married?" Un autre frère a répondu que mais il y a les gens qui disent à la femme, viens, je vais t'épouser. And sans même dire que je t'aime, viens, je vais t'épouser, c'est tout. Another brother said, answered that there are some people who just tell the ladies, come and I will marry you. Ou bien, hey, allons à la maison. And he said, oh yeah, let's go home. Comment tu t'appelles? What's your name? Donne-moi ton numéro. Give me your number. On t'appelle. They call you. Est-ce qu'on peut se voir? Can we meet? Oui. Yes. Allons à la maison. Let us go home. Et puis il y a les enfants. And you have children. Allons à la maison. Let us go home. L'autre te dit, hey, tu es jolie, je vais avoir un enfant avec toi. Another will tell you, you are very beautiful. I want to have a child with you. Donc, quand il disait qu'il n'a jamais dit je t'aime à quelqu'un, les frères étaient étonnés. Ça c'est une chose facile pour un mondain. And when he said that he had never told someone I love you, the brethren were astonished. This is something easy for a worldly man. Une jeune fille m'a dit, a young lady told me, qu'elle ne connaissait pas le nom de son père. That she did not know the name of her father. Sa maman a rencontré son père à une gare routière. Her mother met her father at a station. Ils ont eu des relations sexuelles. And they had a sexual intercourse. Une seule fois, la grossesse. Only once, and there was a pregnancy. La mère ne connaît même pas comment. Elle n'avait même pas demandé. C'est-à-dire, elle ne connaît pas le nom du monsieur. Le nom, l'enfant voulait seulement le nom. Even the mother did not know the name, just the name of the man. Quand c'est comme ça, il y a un vide psychologique dans ton esprit. When it is like this, there is a psychological vacuum in your spirit. Que personne ne peut guérir. That no one can heal. Traite le dossier. So, just treat the file. Dis Seigneur. Say Lord. Je t'aime. I love you. Je refuse le monde. I refuse the world. C'est toi le Dieu. Dis-lui que cette parole que j'ai entendue. Tell him that this word that I've heard. Qui annonce ton règne. Qui annonce notre règne. That announces our reign. Que j'ai entendu. That I have heard. J'ai compris. I have heard and understood. Je vais te voir. I will see. Je veux vivre là-bas. I will live there. Je ne veux pas la vanité. I don't want vanity. Prions. Dès qu'on finit, rassure-toi que ton cœur s'est détaché de tout ce qui n'est pas bien, les films mondains, la musique mondaine, tout. La mode, tout ce qui est dans le monde qui attire les gens, enlève ton esprit dessus. As soon as we finish, make sure your heart is separated from everything that is the world, the music and films, etc. Les amis mondains. Worldly friends. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les frères, ils sont à l'aise avec les païens. Some people are not well at ease with the brethren, but they are well at ease with the pagans. Quand ils sont avec les frères, bouche clouée. Quand ils sont avec les païens, ils bavardent. When they are with the brethren, they don't speak, but with the worldly people, they speak a lot. Les choses qui sont dans le monde. The things which are in the world. Les querelles. Quarrels. Les jalousies. Jealousy. Ça c'est le monde. This is the world. Ils n'ont rien. They have nothing. L'orgueil. Pride. L'orgueil. Pride. De la vie. Of life. Une sœur nous rendait témoignage. A sister testified to us. Elle avait acheté une robe. She bought a dress. Qui avait coûté 300 000. Which cost 300,000. Et elle voulait être la seule personne. She wanted to be the only one person. Qui porte cette robe-là. That put on et elle allait à une cérémonie. That dress. And she was going into to a ceremony. Et étant à la porte, and being at the entrance, elle a vu une autre femme avec la même robe. She saw another woman with the same dress. Elle est rentrée. She went back. Elle est partie porter une autre robe. She went and put on another dress. C'est ça qu'on appelle l'orgueil de la vie. This is what we call the pride of life. Si tu n'as pas l'argent, if you don't have money, tu manges ce que tu peux. Just eat what you can. Tu prends une chambre proportionnelle. You take a room that is proportional.
Tu as 50 000 francs de salaire. If you have 50,000 salary, prends une chambre de 5 000. Take a room of 5,000. En bois. In wood. Dieu va te bénir. God will bless you. Si tu prends une chambre de une maison de 100 000. If you take a house of 100,000. Pour demander aux gens chaque jour, dépanne-moi. To ask people every day, give me money. Ça c'est l'orgueil. This is pride. Il est écrit. It is written. Mieux vaut être de condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et manquer le pain. It's better to have a humble condition and be a servant instead of making the glorious and not lacking bread. Quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, when we got to Côte d'Ivoire, nous étions, il y avait moi, il y avait la sœur Colette, il y avait la sœur Gracielle. I and Sister Colette and Sister Gracielle. Gracielle avait 3 ans et demi. And Gracielle had was 3 years and half old. Je lavais les assiettes, chacun faisait ce qu'il pouvait faire. Each one could do, did what he could do. Un jour, les gens du quartier m'ont vu en train de sécher les vêtements. Ils disent, ça c'est quoi ça là? One day, the people of the quarter saw me putting the cloth under the sun. They said, what is this? Pour nous, c'était une chose normale. For us, it was something normal. C'est après que j'ai découvert qu'il y avait un monsieur pauvre. Il avait une servante et il payait 8 000. Et ils avaient une chambre. Il y avait la servante dormait dans cette chambre. Sa belle-sœur dormait dans cette chambre. Lui-même et sa femme dormaient dans la chambre. Et ils avaient combien d'enfants? Peut-être 2. Je crois qu'ils avaient 2 enfants. En fait, j'avais compté, il y avait 6 personnes dans la chambre. Et la servante était dans la chambre. It's after that I discovered a man who was very poor and he had a maid servant to whom he gave 8,000 per month. À Marcory. Being in Marcory. Quand tu as ce niveau de vie, tu n'as pas besoin de tout ça. When you have this level of life, you don't need all these things. Ça augmente les soucis. This will increase ça your fait worries. Partie du combat spirituel. This is part of the spiritual warfare. Quand cet esprit t'habite, when this spirit indwells cette you, manière de voir les choses, de les faire, this way of seeing things and do them, tu es ennemi de Dieu. You are an enemy of God. Vous savez que le premier commandement c'est d'aimer l'Éternel avec toute sa force, avec toute sa pensée. You know that the first, toute son âme. The first commandment is to love the Lord with all your thought, all your souls and all your might. C'est bien que quand tu t'attaches à ces valeurs mondaines. So when you give a value to these worldly values, tu as déjà perdu ton ami qui te donne la victoire dans les batailles. You have already lost your friend who gives you victory in the fight. Si Dieu est pour nous, if God is for us, qui sera contre nous? Who shall be against us? Mais si nous l'avons chassé par l'amour du monde, qui va nous défendre dans les batailles? But if we have cast God away from our life because of the love of the world, who is going to help us in our warfare? Parle-lui. Speak to him. Sincèrement. Sincerely. Place-le sur le trône. And set him on the throne. Seigneur notre Père. Ora baka shuru baka sharga. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Continue à te donner. Dis-lui tout ce que tu peux dire à quelqu'un que tu aimes. Continue to give yourself to him. Tell him everything you can tell. Dis-lui que you tu love. Es là. Tu es là. Tu es là. Tell him that you are there. You are there. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir devant l'écran de télévision, regarder tout,
There are some people who can sit before the screen of the TV screen and watch everything. Et dormir devant l'écran. And sleep before the screen. Ça, c'est l'amour des choses qui sont dans le monde. This is the love of the things which are in the world. Il y a des gens qui sont dans toutes les réunions de la famille, toutes les réunions de la famille. There are people who are present in all the meetings of the family, all the meetings. Et qui manquent aussi les réunions importantes de l'église. And they also miss the important meeting of the church. Il y a des gens qui ne peuvent se réjouir que quand il y a de l'argent dans leur poche. There are some people who can rejoice only when they have money in their pocket. C'est l'amour du monde. This is the love of the world. Et l'amour des choses qui sont dans le monde. This is the love of the things which are in the world. Consacre tes moments de communion avec Dieu. Get concentrated. Concentrate your moment of communion with God. Prends l'engagement. Prenons l'engagement. Take commitments. Que quand nous serons devant lui. That when we stand before him. Si le téléphone sonne. If your mobile phone rings. On finit d'abord la prière avant de prendre. We finish prayer before we take it. Père, que nos rencontres dynamiques soient sanctifiées, honorées, sanctifiées. Que les heures de lecture biblique soient protégées, sanctifiées. Prie que si tu entres dans une réunion d'adoration, pray that if you get into a church service meeting, 2 heures d'adoration, 2 hours of worship, tu vas les consacrer à l'adoration. You will consecrate them to the worship. Tu ne laisses pas le cellulaire ouvert. Tu envoies les messages et tu es distrait. The mobile phone on. Et ça diminue la qualité de l'adoration. And send messages. You are distracted. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le demander. And this decreases the quality of the worship. C'est le Saint-Esprit qui le demande. This is a requirement from the Holy Spirit. Que les rencontres soient sanctifiées. That the encounters be sanctified. Que les choses du monde ne troublent pas la communion avec Dieu. That the things of the world should not trouble your fellowship with God. Que les choses du monde ne troublent pas la communion avec Dieu. Do not let things of the world trouble your communion. Que les choses du monde ne troublent pas la communion avec Dieu. Let the things of the world not trouble your communion with God. Maintenant, now, tu t'assois, you get seated, tu dis merci à Jésus. And you give thanks to God.
Il nous a exaucé. Who had granted us. Il a pardonné. He has forgiven us. Il est maintenant sur le trône. He is now on the throne. Lis pour nous Jérémie chapitre 10 verset 10 et 11. Read for us Jeremiah chapter 10, reading from verse 10 and 11. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Amen. Second reading. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Amen. Amen. Qui a compris? Who has understood? Qui peut nous donner le nom d'un dieu quelconque de son village? Who can give me the name of a god of his village? Le nom c'est quoi? What is the? Dis un, choisis un, tu l'expliques. Adjambali. Est-ce qu'Adjambali peut créer même les cieux et la terre, même c'est. Est-ce qu'Adjambali même peut prononcer son nom? Can Adjambali si even ce n'est pas toi. If it is not to you. C'est-à-dire que toi qui l'adore, c'est toi qui prononce son nom. L'idole est là, il ne peut rien faire. The idol is there, cannot do nothing. You the one who worship him is. S'il y a incendie. If there is. Tu sauves d'abord Adjambali. C'est Anya qui? Adjambali. He cannot deliver you. S'il y a le feu dans la maison, if there is fire in the house, il faut vite sauver Adjambali. You must save Adjambali himself. Non, il doit disparaître. No, they have to disappear. C'est un faux. Il n'est pas Dieu. He's not God. C'est un menteur. He's a liar. Qui d'autre? Who else? Goli. Tu l'as déjà croisé? Have you ever met him? C'est quelques personnes qu'on amène là. On te dit, Goli, viens. Quand tu regardes, c'est ton oncle et ton cousin. There are people, when they tell you the Goli is coming, when you check it well, it is your uncle, your cousin. Quel mensonge! What a lie! Il doit partir. He must disappear. Lève-toi. Rise up. Dis-leur que c'est des menteurs. Tell them they are liars. Tu prononces leur nom. Tu dis, toi, Goli, tu es menteur. Va-t'en. You say their name and you say, you Goli, you are a liar. Go away. Ah, écoutez. Écoutez. Listen, pour bien prier, for you to pray well, la vérité, the truth, c'est que derrière, is that behind, ce sont les vrais démons, les vrais démons. It is true demons. Donc ils se cachent, and they hide. Ils se cachent dans les phénomènes sociaux. They hide themselves in social phenomena. Tu vois les gens qui dansent là avec les pailles partout, mais les démons sont là. You see people dancing with rappers everywhere, but the demons are there. La réalité, ce n'est pas les gens qui dansent là. The truth is not the people. C'est le démon qui est derrière. The demon that is behind. Et l'apôtre dit, and Apostle Paul, je ne veux pas que vous ayez de contact avec les démons. I don't want you to have any touch contact with the demons. L'arbre que tu vois là n'est rien. The true, mais the le tree, démon est derrière. The tree that you see is nothing. C'est ça, is the demon behind. C'est ça qui est la vérité. This is not the truth. Which si is the le truth? Diable vient comme ça là, les gens vont le chasser. If the devil comes like this physically, people will cast him out. Donc il vient
avec le mensonge, la ruse. So he comes with cunning and lie. Alléluia. Praise the Lord. Donc quand tu chasses là, so when you cast out, tu délivres ta famille. You deliver your family. Et comme nous sommes ensemble, and as we are together, Dieu rassemble toutes nos voix en une seule voix. God gathers all our faiths in one faith. Et il rassemble tous nos ennemis dans un seul paquet pour qu'ils subissent le même sort. And he gathers all our enemies in one bench so that they can get the same lot. Même si tu es toi seul, even if you are alone, et que pour un autre, ils sont peut-être 100 dans cette salle, mais toi tu es le seul dans ton, pour ton village. And for the others, there are 100 in this room, and you are the only one in your village. Dieu va rassembler. God will gather. Ça devient que un seul peut chasser 10 000. It becomes like only one can cast out 10,000. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Prions maintenant. Let us pray now. Qu'il parte. Qu'il parte. Santa Rama Karamazi. Bon. Que chasse et jugé. Bon et tous les esprits de l'air. Attends. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je reconnais. I recognize que moi-même je suis allé parfois chez les marabouts. That myself I sometimes went to the marabouts. Mais je l'ai regretté. But I regretted it. Je ne peux plus faire ça. I can do it no more. Et je vous déclare, vous idoles. And I proclaim to you, you idols. Tous les esprits méchants qui all sont the wicked spirits, qui sont derrière les masques, les goulis, les tétécans, which are behind the mask and the goulis, les vaudous et tous les autres. The vaudous and all the others. Dis, je déclare. Say I proclaim que je n'ai pas besoin de vous. That I don't need you. Et ma famille n'a pas besoin de vous. And my family doesn't need you. Votre jugement est déclaré. Your judgment is proclaimed. Car il est écrit. For it is written. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre. That God didn't do heaven and earth. Disparaîtront de dessus la terre. They will disappear under heaven. Ils disparaîtront. They will disappear. Que Dieu, le Seigneur éternel, a déclaré. The Lord has declared it. Que vous êtes brisé. That you are broken. Vous êtes anéanti. You are broken down. Vous êtes vomi. You are vomited. Que les familles vous jettent dehors. That the families cast you away. Continuez à prier maintenant. Continue to pray.
je proclame. Je proclame. Qu'il est écrit dans le livre du prophète Jérémie. That is written in the book of prophet Jeremiah. Chapitre 10, verset 10. Chapter 10, verse 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. But the Lord is God in truth. Il est un Dieu vivant. He is a living God. Et un roi éternel. And an eternal king. La terre tremble devant sa colère. The earth trembles before et les nations ne supportent pas sa fureur. And nations do not bear his wrath. Continue à l'adorer, c'est lui qui est grand. Continue. Amen. Amen. Si tu ne connais pas leur nom, if you don't know their name, si tu ne connais pas leur nom, if you don't know their name, parce que tu ne maîtrises rien, because you master nothing, tu dis seulement tous les dieux, you say all the gods, qui sont invoqués chez nous, who are called, qui ne sont pas les vrais dieux, which are not the true gods, ils savent déjà que c'est leur sort qui est déjà attaqué. They also already know that their lot is attacked. Ils savent. They know. Ils savent qu'il s'agit d'eux. They know that they are the one concerned. Tu dis que tous les dieux qui n'ont pas créé le ciel et la et les cieux. All the God who didn't create heaven and earth. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous délivrons tous les arbres que vous avez possédés. We deliver all the souls you have possessed. Tous les cours d'eau, tous les marigots. All the streams. Tous les rochers que vous avez possédés. All the rocks that you possess and the trees. Nous délivrons toutes les montagnes que vous avez possédées. We deliver all the mountains. Nous vous chassons. And we cast you out. Nous vous renversons. We overthrow you. Continuez à intercéder. Toutes les sources d'eau, les marigots, les rivières, les lacs, les arbres, les montagnes, les champs, les forêts. Nous récupérons toutes les forêts. Et nous récupérons toutes les forêts que vos démons ont possédées. We free all the forests that your demons have possessed. Nous récupérons toutes les forêts que vos démons ont possédées. We release all the forests that your demons have possessed. Nous bénissons chaque famille. We bless each family. Avec la force et la joie de vous chasser. With the power and the joy to cast you out. Chaque famille. Each family. Avec la joie et la force de vous chasser. With the joy and the strength to cast you out. Continuez à intercéder. Continuez.
Je proclame qu'il est écrit that it is written, s'il y a un corps animal, that if there is an animal il y a body, aussi un corps spirituel. Then there is a spiritual body. Dis, nous taillons en pied tous les reptiles spirituels. Say that we cut to pieces all the spiritual reptiles. Tous les reptiles spirituels qui all sont the adorés. Spiritual creatures, things that are adored. Tout animal spirituel qui est adoré, nous taillons en pièces. Any spiritual animal that is adored, we cut it to pieces. Nous taillons en pièces, nous taillons en pièces. We cut it to pieces. Dis, je proclame I proclaim que nous avons les armes spirituelles. That we have spiritual pour tailler en pièces les corps spirituels. Donc détruis tout, saccage, libère, taille. Que tous les pitons soient taillés en pièces. Tous les pitons soient taillés en pièces. Tous les serpents soient taillés en pièces. Tous les lions soient taillés en pièces. Tous les éléphants soient taillés en pièces. Tous les oiseaux soient taillés en pièces. Tout animal utilisé par la sorcellerie, soit taillé en pièce. Nom de Jésus, in the name of Jesus, nous bannissons, we ban, nous détruisons we destroy, toutes les œuvres de Satan. All the trees of toutes les œuvres des esprits démoniaques all the works of the demoniac spirits, agissant derrière les idoles, working behind the idols, et agissant sous le nom des idoles, or working under the name of idols. Nous les bannissons, nous les dispersons. We bind them, we scatter them. Nous délivrons les captifs. We deliver the captives. Nous mettons fin à toutes les oppressions. We put an end to all the oppressions. Dis au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous délivrons ceux qui entendent les voix des démons. We deliver those who hear the voices of demons. Dis au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous délivrons ceux qui ont des visions démoniaques. We deliver those who have demonic visions. Nous taillons en pièces, nous taillons en pièces. Nous libérons les captifs, nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Set captives free. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, que les marabouts se convertissent. Let marabouts get converted. Nous gâtons leurs affaires. We destroy all the business. Nous détruisons cette industrie. We destroy the industry. Nous renversons tout. We overthrow everything. Qu'ils aillent au travail de la terre. Let them go to work. Continue à intercéder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne dois rien craindre. You must not regret anything. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons prophétiser contre les adversaires. We have prophesied against the adversaries. Parce qu'on vient de détruire les armées des ténèbres. Because we have just destroyed the armies of darkness. Écoutez bien ce que la parole dit. Listen very well what the word says. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Be shattered, O you peoples, and be broken in pieces. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Give ear, all you from far countries. Préparez-vous au combat. Gird yourself. Et vous serez brisés. But be broken in pieces. Formez des projets et ils seront anéantis. Take counsels together, but it will come to nothing. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Give orders,
But they will not be accomplished. Car Dieu est avec nous. For God is with us. Hallelujah. Praise the Lord. On va le maintenant. Tu as atteint un niveau de combat où tu ne te caches pas, tu ne dis pas, ça ne vient pas m'attaquer, ne vient pas m'attaquer. Dis à l'ennemi de venir, s'il est prêt, s'il vient. You have reached a level of the fight where you cannot say, do not attack me, do not attack me. Tell the enemy to come if he is ready. Dis, esprit pur. Say, unclean spirit. Mensonge des idoles. Lies of idols. Écoutez la parole de mon Père. Listen to the word of my Father. Poussez des cris. Vous shatter. Poussez des cris de guerre. Vous shatter. Vous qui êtes mes ennemis. You who are the enemies. Vous serez brisés. You will be broken. Prêtez l'oreille, vous tous. Give ear. Vous tous qui habitez au loin. All you from far countries. Vous tous les démons derrière les idoles. All you demons behind idols. Préparez-vous au combat. Give yourselves. Vous serez brisés. But you'll be broken. Si vous serez brisés. You'll be broken into pieces. Vous serez brisés. You'll be broken into pieces. Formez des projets. Take us. Ils seront anéantis. Come to nothing. Donnez des ordres. Give orders. Ils seront sans effet. They will be without result. Dis, je proclame. Say, I proclaim que cela s'accomplira. That this will be fulfilled. Le jour. On the day. Ça va s'accomplir. It will happen. La nuit. In the night. Ça va s'accomplir. It will be fulfilled. Au champ. Ça va s'accomplir. Dans la maison. Ça va s'accomplir. En ville. Au village, partout. Car notre Dieu est avec nous. For our God is with notre us. Dieu est avec nous. Our God is with us. Prions en langue. Lève ta main. Raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Par la puissance du Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. Nous balayons toutes les ordures. We clean all the rubbishes. Et nous les emballons. And we put them together. Nous les accrochons au cou de chaque esprit. We put it up, we hang it on. Et the nous leur disons de ne plus revenir. And we command them not to come anymore. Que rien d'impur ne reste au village. Do not come anymore. Que rien d'impur ne reste dans la maison. Que rien d'impur ne reste dans la famille. Tout ce qui est souillé. All that is defiled. Les maladies. Sicknesses. Les échecs. Failure. Les malédictions. Curses. Les envoûtements. Bewitchment. Suivez ceux qui les ont amenés. Let them suive all those who... Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Clap for Jesus. Amen. Amen. Garde le calme une keep, minute. Keep silent. Dieu est sur le trône. God is on the throne. S'il est pour nous, qui sera contre nous? If he is for us, who will be against us? Pour renverser les principautés personnelles. To overthrow personal principalities. Il faut renverser tous les péchés qui veulent rester dans ta vie. You must overthrow all the sins which would like to stay in your life. Tu as cru. You believed. Mais il y a les péchés
qui sont restés. But there are sins which have remained. On les appelle les idoles. We call them idols. Si tu les enlèves, if you remove them, la gloire de Dieu éclate. The glory of God will burst. Pour renverser les principautés de la famille. To overthrow the family principalities. On fait comme on a fait ce soir. We do as we have done tonight. On s'identifie à nos frères. You identify yourself to your brethren qui sont dans le monde. Who are in the world. Et on demande à Dieu de pardonner leurs péchés. We ask God to forgive their sins. Et de leur accorder la sagesse pour comprendre que c'est le vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. And to grant them the wisdom to understand that it is the true God who created heaven and earth. Et on renverse les idoles. And we overthrow idols. Dieu a travaillé ce soir. God has worked tonight. Le Seigneur a aimé qu'on rappelle qu'il vient. The Lord loved the fact that we recall that he will come back. Parce que l'un des objectifs du monde, because one of the purposes of the world, c'est qu'on oublie le jour du Seigneur. Is for people to forget the day of the Lord. Nous ne sommes pas tombés dans ce piège. We did not fall in this trap. Jésus revient. Jesus is coming back. Il va mener le plus grand et dernier combat sur la terre. He is going to lead the greatest and the last battle on earth. Il est dit qu'une épée sortait de sa bouche. It is said that the sword came forth from his mouth. Et dans nos bouches, nos petites bouches que vous voyez là, il y a l'épée qui sort, mais tu ne vois pas. So in our little mouths that you see, the swords come out, you don't see. Quand tu dis je brise, ça brise. And when you say ça I sort. Break, it also break. Mais the tu ne sword vois pas. Comes down and break. Mais c'est ce qui se passe. That's what happens. Quand tu dis je déracine, ça sort. Boum. When you say I uproot, it comes out. Que le Seigneur protège cette joie. May the Lord protect these things. Que la route pour arriver à la maison soit propre. Let the way that leads to the house be clean. Merci Seigneur pour ce soir. Que l'honneur te revienne. Amen. Amen.